11h, 8 minutes, 30 secondes. Au quatrième stop, il sera exactement 10 minutes. Au quatrième stop, il sera exactement 12 minutes. Pour Potna qui a donc fait le break d'entrée en prenant le service de Gabriela Sabatini. 11h, 14 minutes, 10 secondes. 11h, 14 minutes, 20 secondes. 11h, 14 minutes, 30 secondes. 11h, 40 secondes. Ce travail d'usure qui se fait de part et d'autre. L'avantage de la joueuse qui a le plus souvent défendu, c'est-à-dire Novotna. Et Michel, dans le passé, de garçons qui faisaient du bruit lorsqu'ils frappaient leur balle, il semble que cette affaire. 17 minutes. 11h, 17 minutes. Oh, que c'est bien joué ça. Bien joué, bien fait. Elle est restée sur place, Gabriela Sabatini. 11h, 17 minutes. Là, quand on s'aperçoit mieux que le jeu plat a des vertus que l'on ne trouve pas dans les coups liftés. Il y a un tout petit peu recouvert là. Elle le fait souvent depuis le début de cette rencontre. Ça lui a bien réussi. 40 secondes. 4e stop, il sera exactement 11h. Formidable, elle joue bien, très très bien. Novotna qui mène 3-0, elle vous épate. Formidable, hein. Elle nous surprend. Eh bien, on va voir. 10 secondes. 11h, 21 minutes, 20 secondes. 11h, 21 minutes, 30 secondes. 11h, 21 minutes, 40 secondes. 4e stop. Quelle présence, Jana Novotna, égalité, qui sauve une deuxième balle de break. Exactement. 33 minutes. 11h, 33 minutes, 10 secondes. Ah, bien fait. Allez, 11h,
33 minutes, 20 secondes. Aïe, 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 quel dommage que ce point se termine ainsi. C'était beau. Égalité. Qui oppose l'Argentine à la Tchèque. 11h, 37 minutes, 10 secondes. Formidable. Et elle a donc décidé d'être... 11h, 37 minutes, 20 secondes. Le ballon ovale dans, sur ce cours central à Roland-Garros avec l'un des grands 11h, rugby français, Jean Gachassin, au quatrième top. Il sera exactement 11h. Oh que c'est bien joué ça. Elle décide de ne pas attendre trop longtemps à fond de cours. Vous savez, Michel, que hier, à propos de rugby, j'ai rencontré qui s'est passionné d'une façon extraordinaire pour la sculpture minutes, et il fait des choses merveilleuses. Secondes, je sais bien, de grand oui. talent. 30 minutes, 10 secondes. Et oui, attaqué. 11h, 40 minutes. De Sabatini était plus longue, plus percutante. 11h, 40 minutes. 40 secondes. Magnifique. Au quatrième top, il sera exactement 11h, 41 minutes. Un échange de toute beauté. Avantage, mademoiselle pendant lequel Sabatini dominait. Et avec ce coup droit, Votna parvient à renverser complètement minutes, la situation. 10 secondes. Première volée profonde, deuxième volée courte. Ouais. Elle est croisée. Elle bande, mais jamais à cet endroit. 11h, 47 minutes, 40 secondes. Oui, alors le type de coup qui va la gêner beaucoup sur le revers, c'est ce que Gabriel a bien de faire. 30 secondes. Mmh. 11h, 48 minutes, 40 secondes. Mmh. Au quatrième stop, il sera exactement... 11h, 49 minutes, 30 secondes. Il veut se remettre en course dans la première manche sans trop de difficultés. 11h, 50 minutes, 40 secondes. 11h. Oh, qu'elle le fait très bien ce coup des croisés. Et pourtant. 11h. 57 minutes. 30 secondes. 11h. 57 minutes. 40 secondes. Ça ne va pas l'inciter à remonter au filet avant longtemps, ça. Et c'est dommage. Au quatrième top, il sera exactement 11h. Allez, il va y venir. Un peu courte cette attaque quand même. Mais un excellent passing plongeant de la part de Novotna. 12h. Sur la mortie de Sabatini, qui pourtant s'était attendu. On va le voir, elle va s'attendre à une contre-amortie, mais elle ne sera pas assez rapide. Elle n'anticipe.
bien fait. Et elle n'avait pas beaucoup d'autres solutions car elle était un petit peu dépassée par la balle. On va... Ça c'est bien joué, Londani, elle était déjà un peu derrière elle. Elle va reprendre un petit peu derrière. Superbement bien amortie. Centrale où Jana Novotna vient d'entrer de faire le break, de prendre le service de Gabriela Sabatini, elle mène à zéro. Sûre d'elle, elle joue vraiment de mieux en mieux, Jana Novotna. Superbe point avec deux joueuses. C'est plus embêtant. Ah, c'est bien fait. Et il serait temps, Gabriela Sabatini, parce que le danger... Point. Le passing shot était bien tiré. Oh, bravo, car depuis le début, on s'en aperçoit, Novotna n'a pratiquement fait que des revers coupés. Oui. Ouais. Et on entend quelques bravo, bravo, Gabriela. Est-ce que ça va la remettre en confiance? Elle est menée 4-1. Un public ici à Roland-Garros assisté à ce premier match féminin entre l'Argentine, Gabriela National. Jana Novotna au service, elle mène 4-1, 30-0 face à Gabriela Sabatini. Et tout de suite après cet échange, voilà qui est fait 40-0. On essaie au moment de revenir sur le central, peut-être pour la balle de match. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Ce service de Gabriela Sabatini. 13h, 3 minutes. Voilà, c'est fait. 6 jeux à 5. Novotna servira tout de suite après pour le gain de ce match. Une rencontre qu'elle domine, incontestable, dans ce qui sera peut-être le dernier jeu pour Gabriela Sabatini. 6-5. 13h, 5 minutes, 10 secondes. Ah, bien fait. Elle n'en a pas réussi beaucoup depuis le début de ce match. Ah, elle arrive trop tard. Trois fois du bout de la raquette, la troisième fois elle en a été battue. Le grand écart. Mais comme elle craint les attaques de Novotna, parce qu'elle reste en retrait et tous ses débuts de déplacement se font d'abord en arrière. Yeah.
Elle n'est pas passée, cette balle. Oh là là, le suspense. La balle a frappé la bande du filet. Première balle de match après exactement 2 heures et 1 minute de jeu. Encore une surprise sur le central de Roland-Garros où Jana Novotná, la Tchécoslovaque, vient d'éliminer. Un petit sourire et un regard, elle embrasse cette raquette gagnée. Elle élimine Gabriela Sabatini. Il s'en est passé des choses dans ce match. Un petit drame tout à l'heure avec de Jana Novotná. Et maintenant la chute de Gabriela Sabatini qui doit être très déçue. Ne peut s'en prendre qu'à elle-même. Un tennis qui n'a pas évolué. Elle n'a pas bien joué.